Le réchauffement climatique est une réalité et nous sommes tous individuellement responsables de nos décisions et de nos actes. Un camion reconditionné, c'est de la matière qui n'a pas été engagée par rapport à un camion neuf. C'est 7 tonnes de CO2 qui ont été économisées. C'est quand même relativement facile à comprendre que la mobilité électrique est moins émettrice qu'une mobilité diesel. C'est là que tout a commencé. En 2020, c'est là que Renault Trucks a produit ses premiers camions électriques. Si 80% des camions sont électriques à batterie en 2050 dans le parc, l'insertion des camions électriques est tout à fait réalisable.